Coucou Tnefaï. Comment tu vas? T'as fait un bail? Ça fait un bail, Tnefaï. Ça rime, c'est quoi les bails? Ça va, merci. Tu m'entends bien? Vu que mon micro bug. Je vais tester, voir si ça marche. Ouais, y a un de ces retards. C'est quoi ce délire? Tu m'entends bien ou pas? Demain, il y a Kéké qui vient sur mon île sur RCNH. Pour la première fois ou pas? En tout cas, c'est cool. Et tu m'entends bien, bah écoute, tant mieux. Première fois, donc t'as fini l'histoire, quoi. C'est trop cool, ça. GG à toi. Où est-ce qu'il est, notre ami, là? T'étais déjà passé dans un élève de Ghost of Tsushima? Te revoilà. Tu es toujours là. Tu es déçu? Je pensais que tu t'en irais dès que j'aurais mon grappin, que tu essaierais de changer d'île. J'ai été tenté, je l'avoue, mais tu as sauvé la vie de Taka. Ma dette sera payée quand ton oncle sera libre. Heureux de l'entendre. Va prévenir les autres. Que dois-je leur dire? Nous allons entrer dans le château de Kaneda pour libérer mon oncle. Ouais, non. On va pas faire ça maintenant. On raconte que votre neveu traque mes hommes. Qu'il les extermine sauvagement. Je suis sûr que vous avez fait pire. Vous pensez que nous sommes différents. Mais nous luttons pour la même chose. Nous voulons que notre héritage nous survive. Le sens de l'honneur et du devoir ont forgé le mien. J'ai amené l'ordre sur mes terres. Et la justice à mon peuple. Vous n'êtes en rien comme moi. Tout comme votre neveu. Pourtant son nom est à jamais lié à votre héritage. Un héritage est bien plus qu'un simple nom. C'est vrai. Votre famille vit ici depuis des générations. Le château de vos ancêtres s'élève au nord, il me semble. Je suis impatient de le visiter. Pendant que vous mourrez de faim dans cette geôle, tout seul, sans aucun honneur. Pas très gentil, ça. Bon sang, Ryuzo. Coucou, Mediro. Tout le monde est là. On attend Coucou les Mag. Chefs de paille. Comment vous allez? Je te retrouverai à la ferme. J'ai lancé une mission, mais... Ça va être une grosse mission, là. On va carrément au château du boss. Mais bon, c'est pas la fin du jeu. Tu te casses faire un bowling et tu reviens dans une heure? Ok. J'ai été chez l'ostéo. Ah oui, c'est vrai. Trop bien. Et ça t'a fait du bien, j'imagine, oui.
Mais du coup, le bowling, est-ce que c'est une bonne idée de se plier en deux après l'ostéo? Moi, ça va, Meliro, merci. En ce moment, j'ai pas faim et j'ai trop mangé. Du coup, j'ai un peu mal au bide. Mais bon, ça va. J'ai failli m'endormir, j'adore mon ostéo. Ouais, tu m'étonnes, quand c'est bien comme ça. Ça doit être trop cool. T'as dû kiffer. Je joue comme une merde, c'est rien. Bon. Tu vas juste t'amuser un peu, quoi. Et du coup, tu reviens dans une heure. Mais ça dure qu'une heure, un bowling. Et il est pas loin. Snefa, j'espère que tu vas le retrouver. À toute. Quoi? Ah, Snefai, je dois y aller, mon chien est parti de chez moi. Ah merde, j'ai pas vu, désolé. Putain, j'espère que tu vas le retrouver aussi, Snefai. Merde. Bah, à toutes, bon courage. Putain, tu me le diras. Il est à côté de mon boulot à 5 minutes. Seigneur Sakai, mais qu'est-ce que tu racontes, Kenji? Ridicule. Allez, bois, tu te sentiras mieux. Et ouais, bon courage pour ton chien, j'espère que ça va aller. Soit. J'oublierai pour nous deux. T'inquiète, moi aussi c'est la même chose, j'ai quasi jamais faim. Ouais, mais moi normalement j'ai faim, là je sais pas pourquoi j'ai si peu faim. Mais en fait je voulais pas du tout aller là, j'ai plein d'autres trucs à faire avant, en fait. Genre ça. On va faire une autre mission. Incompatible avec la mission en cours. Je peux pas abandonner la mission? Putain, j'avais pas du tout envie de faire ça. Sauvez votre. En vrai, je mange parce que je vis avec mon mec et qu'il a faim. Mais là, il est pas là, donc je mange pas. C'est pour ça que t'es souvent là. Taka, beau travail avec ce grappin. Je suis ravi qu'il que j'aime manger, mais bon. Yuna voulait que je reste à l'abri. Mais je tenais à vous souhaiter bonne chance. Et toi, quelle est ton excuse, Kenji? Parce que je suis en mode attente. J'attends les résultats. Alors sors ton meilleur saké. On entretient. Si nous sauvons le seigneur Shimura, nous fêterons ça dignement. Et tu m'entends bien là, Mag, aujourd'hui? Parce que j'ai regardé pour acheter un autre micro, mais ça coûte tellement cher, putain. Faudrait que je revende celui-là, en fait. Oh, il est pas là, j'ai le temps. Bon, bah très bien. Tu es la bienvenue sur mon live. Merci d'être venu. Shimura, sur notre live. Tu m'entends très bien sur mon téléphone. Ceux qui ont massacré ma famille ne perdent rien pour attendre. Il en va de même pour Tomoe. Notre île doit retrouver son chef. Avec votre aide, il sera libre avant l'aube. Préparez-vous. Nous attaquerons bientôt. Appelle et nous viendrons. Mais pas très fort sur Kefi. Hein. De toute façon, si je prends un autre micro, il y aura plus de réglages et tout, et ce sera mieux. Là, je pense que cette mission, on va y aller, on va échouer et on va devoir recommencer. Genre, je pense que c'est scripté. Mes amis, c'est l'heure. Aujourd'hui, nous libérons le seigneur Shimura. Ou alors ça marche, mais il y a d'autres trucs à faire après. De paille nous viendrait en aide. Ils ne sont pas là, et nous ne pouvons plus attendre. Quel est votre plan, seigneur Sakai? Je vais utiliser mon grappin pour infiltrer le château. Quand j'aurai neutralisé l'alarme, vous pourrez passer par la porte avant. Les Mongols doivent détenir le seigneur Shimura dans le donjon central. S'il sonne l'alarme, il risque de l'exécuter. Nous pourrions attaquer l'entrée avant de les prendre par surprise. Non, nous devons être discrets. Nous allons nous frayer un chemin jusqu'au donjon, sauver le seigneur Shimura, puis revenir vers la grande porte pour fuir. C'est du suicide. Seulement si nous attaquons de front. Nous avons une chance si nous frappons discrètement l'ennemi dans son sommeil. Comme un vulgaire voleur. Ou un fantôme. Le seigneur Shimura compte sur nous. Alors allons-y. Du coup, on le fait quand, le live, où on fait les commandes, etc. Je sais pas, il faudrait qu'on se trouve, faudrait qu'il y ait du monde, tu vois, pour qu'on... Faudrait que je demande sur le Discord quand est-ce que vous êtes dispo, pour qu'on parle un peu de tout, de rien, des commandes, de nous, de... Soit un petit live de chatting, quoi, qu'on lance des sujets et tout. Parce que ça va pas durer, ça va pas durer une heure, quoi. Pourquoi tu me suis, toi? En fait.
camper ici. Rejoins les autres. Je te retrouve à l'intérieur. Sois prudent, Jin. Ça va être une grosse mission, ça. Mais j'aimerais bien quand même pouvoir faire autre chose. On peut pas annuler cette mission. Pour être plus stuffé, tu vois. Je crois pas. C'est dommage. Ça, c'est dommage. Yes. Putain. Tout va mal. Elias, coucou. Let's go. Ça va, Elias? On est sur Ghost. J'ai lancé une mission très ambitieuse. Ça va, tranquille, on est là. Cette fois, je réussirai, mon oncle. En fait, là, je dois aller sauver mon oncle, mais le problème, c'est que je voulais pas le faire maintenant, simplement. Et y avait Midiru qui demandait quand est-ce qu'on se fait un live touch chatting, genre en mode. Parle de tout, de rien, des commandes, des améliorations, tout ça. Et il faudrait que je demande sur le Discord quand est-ce qu'ils sont chauds. Tout le monde. À tout à l'heure, Mag, carrément. Bah, bon bowling et à tout alors. T'es là vers 22h30, quoi. Je trouve qu'on aura fini cette mission. Et bisous, à toutes, bonne partie. Et coucou, Camcool. Comment ça va, Wesh Canapèche? Dans le sommeil. Maintenant il va falloir que je le nique lui. Il va pas rentrer quand même. Wow. Du coup, c'est con parce qu'il a ouvert la porte. Genre pas du tout discrètement, il est passé derrière, devant lui. Heureusement que j'ai pu l'assassiner direct. Camcool, wesh, ça veut dire quoi le mot quoi? Oh là, je vous laisse vous exprimer. Fallait mieux surveiller tes arrières, mon gars. Mon garçon. Bon, sinon, ça raconte quoi? Vous avez fait quoi aujourd'hui? Après, t'as fait quoi, Elias? Après, t'es pas marié. Bon, ça a bugué d'un coup, j'ai pas compris, hein, franchement. Mais bon, de toute façon, je comptais arrêter pas trop longtemps après, mais. Trop chelou. Je dois m'occuper des gardes. Ah, mais je me rappelle, c'est au tout début. On est passé par là au tout début.
Qui peut me voir? Moi j'ai fait piscine. Bien ouais. Sensei, Kenji, vous garderez la grande porte. Tu peux compter sur moi. C'est vrai que t'as une piscine Yuna, chez toi. Peux-tu ouvrir la voie le long de la falaise? Je m'en occupe. Bien. T'es en vacances genre? Rendez-vous ou c'est une piscine chez toi tous les jours? Enfin, c'est dans ta maison normale ou t'es en vacances? Non. Vous me suivez. Je me rappelle, ça, là au tout début, pour ceux qui ont suivi, on est passé par là, mais on n'a pas eu le temps de voir quoi que c'est. C'est chiant quand tu peux pas explorer comme ça. Là. T'es arrivé par là. Toi, t'as glandé dans mon lit. Ok. Moi aussi, j'ai grave glandé. Il y a une arme de siège devant. L'autre fois, elle était braquée sur Yuna et moi. Cette fois, j'ai appelé Alex. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu t'as pas joué? T'as pas avancé dans nous le jeu? À tout prix dégager la cour. Dans Paper Mario ou Breath of the Wild? Et du coup, tu vas les prendre quand les DLC? T'as joué à Zelda, voilà. Trop bien. Et en gros, c'est une piscine dans ma maison de campagne. Bah ouais, voilà. Stylé. Et les DLC, pas maintenant, j'ai le temps. Ouais, tu finis d'abord le jeu. T'as raison. Ne vois pas, ne vois pas, ne vois pas. Il est chaud lui. Ouais, tu finis d'abord le jeu, Elias. T'en es à où? T'as fini l'histoire ou pas? Vous maniez le Wacha? Je devrais y arriver. Quand je sortirai avec mon oncle, les Mongols suivront. Tuez-les. Avec plaisir. Sois prudent. Vous aussi, Masako. Je l'ai bien poncé, Zelda. Mais je l'ai pas fini à 100%. J'aimerais bien finir les Korugu et tout. Non, je termine les sanctuaires et les 4 annexes avant. Bah t'as raison, comme ça t'es plus stuffé. Et comme ça t'arrives au boss sans galérer. Comme je fais moi. Comme ça tu t'énerves pas. Mais du coup l'histoire t'en es à où? Jin, la porte est gardée. Suis mon exemple. Est-ce que t'aimes bien les jeux genre comme celui-là, Assassin's Creed et tout? Que vous aimez bien d'ailleurs, Mediru et Elias et les autres personnes qui ne s'expriment pas.
Joli. Ça les a un peu réveillés. Je crois. Et là-bas, je crois. Je peux faire une multi. Il va se retourner. Voilà, parfait. Je sais pas, j'ai jamais joué à des jeux de ce genre. Mais là, genre, comme tu me vois jouer, t'aimes bien ou... J'arrive pas à voir si... Ouais, il regarde vers moi, évidemment. Ah, du coup, faut que je les confronte. Ce serait plus facile si tes amis au chapeau de paille nous aidaient. Les hommes de Ryuzo étaient affamés. Ils l'ont peut-être trahi. La guerre change les hommes désespérés. Moi, je pense surtout qu'en fait, j'y suis allé beaucoup trop tôt. On doit constituer une équipe. Et là, j'y suis allé en mode maintenant. Et j'aurais pu avoir les châteaux de paille et tout. Chapeau de paille. Mais comme j'y suis allé trop tôt, ben... Forcément, j'ai pas tout le monde. Oui, j'aime bien, ça a l'air cool. Bah t'as vu, ça a l'air sympa. Hein. Là, c'est le pont où je suis mort au début, non? Je crois bien. Hein. Au tout début, en fait, on affronte le boss final. Enfin, le boss... Je ne suis pas allé plus loin la dernière fois. Je l'ignore. La porte est fermée. Tiens le pont. Le temps que je trouve une solution. Trouver un moyen de contourner la porte fermée. Eh ben, on va aller par là. Observe la paroi. Il y a forcément un passage. Ah. Pas. Mais c'est obligé que ce soit par là. Genre avec le grappin, on rappelle. Wow. Je peux pas le faire. Ah, il y a quoi là. Ça devrait marcher. Bien vu. Une fois à l'intérieur, ouvre-moi la porte. Putain, j'ai cru que c'était une lampe, mais en fait c'est une luciole. Faut pas avoir peur. Et ouais, du coup, Elias, t'en es où? En fait, là. T'as eu des bêtes légendaires? Quelle d'ailleurs ta bête légendaire favorite? J'aurais besoin de Yuna. Dev, t'as déjà fini le donjon? Ah bah. Ah, je crois qu'il aurait fallu que je lui ouvre la porte. Et du coup, ouais, c'est laquelle ta bête favori? Depuis longtemps. Bon. Va Médo, c'est le vent. Ah. Te voilà enfin. Silence, les gardes devant. Et ton
Et ton prodige préféré, c'est qui? Ah, moi, c'est les piafs, ouais, c'est ça. Moi, mon prodige préféré, c'est grave dur à dire. Je les aime tous, honnêtement. Après, Mipha, je suis pas fan. Naburu, je l'aime trop. Évidemment, le Goron est trop stylé. Et le Piaf, il a la classe. Mais Mipha, je crois. Révali, ouais, toi c'est Révali, c'est les piafs que tu préfères. Mais je les aime tous, ouais, voilà, tu vois, même pareil. Mipha, je l'aime bien, mais c'est le que j'aime vraiment. Super, tu prends feu. Comment je fais? Oh, j'ai pas perdu énormément. Défier les ennemis restants. Sortez vos épées. C'était écrit que tu devais appuyer deux fois sur O. Ah oui, pour enlever le feu, c'est ça. Mais j'ai, en fait, j'ai vu O, enfin O, rond, mais j'ai pas compris ce qu'il voulait que je fasse. C'est parti trop vite, c'était en plein combat. Même dans Ocarina of Time, Link avait une relation spéciale avec une Zora. Ouais, j'avoue. C'est vrai. Dans Majora's Mask aussi, d'ailleurs. Tu l'as fait, Majora's Mask? C'était Ruto, mais dans Majora's Mask, je me rappelle plus du nom de la Zora. Cette zone, je vais trouver le seigneur Shimura. Bonne chance, Jin. Ah bah, le chapeau de paille. Genre, il nous a vraiment trahi. Khan a mis la tête du fantôme à prix. Sans bâtard. N'importe qui peut la lui apporter. Tu n'oserais pas. Sans bâtard. Mes hommes meurent de faim, Jin. Aide-moi à sauver mon oncle. Et il récompensera tes hommes. Et il fera de toi un samouraï. Et il nous enverra à la mort.
Exactement comme tous les autres, Akomoda. Ryuzo. C'est ta famille, Jin. Et je dois protéger la mienne. Pourquoi le but de jeu à part tuer tout le monde ? Tuer tout le monde. Alors, c'est de sauver son monde. Et de sauver des gens aussi. Ce sera rapide. Mais qu'il est. Mais dans l'eau avec les lampions là. Nous étions amis, Chloé, dans une autre vie. Jamais trop tard. Tu as changé. Toi aussi. Aide-moi à sauver notre île. C'est leur île à présent. Il va falloir acquérir. Ryuzo. Il est là ! Le samouraï est là ! Attends. Putain, Ryuzo, le traître. Je fais d'ailleurs. Bombe collante, ok. Je sais même pas. Mon style de jeu ne se prête pas aux projectiles. J'ai jamais aimé, même dans les Assassin's Creed et tout. Bon. Est-ce que ça va être un maxi boss? Je sais pas. Où est-il? Où est le seigneur Shimura? Sortako Yasin! Jou! Dada! Oh putain! J'ai un peu de problème.
bloquer maintenant. Je ressors, genre. Nope. Ok. Est-ce que je tente, genre. Assassinat Shoji débloqué. Trop bien. À travers les murs. Ça c'est archi stylé. C'est ce que je voulais faire tout à l'heure avec le mec plus tôt. Mais je pouvais pas du coup. C'est drôle, on monte dans un véritable château. Ok, allez. Je vous attends là. Vous êtes où là? Malheureusement, il m'a pas entendu. Vous êtes toujours là, les copains? Vous êtes à fond? Tellement stylé. Affronte-moi, lâche! Mon oncle, j'arrive! Jane, fais vite! Ouh, samurai, non! Je déteste les avec les deux. Putain. Vas-y, comme il a fait mal, lui. Ouah, je le sens mal. Mon oncle est là. Bon. Mon oncle, je savais que tu viendrais, mon garçon. Ton père aurait été fier de toi. Pourquoi tu m'avais la récompense de l'eau, monseigneur? Parce que j'ai mal au ventre et que. Il faut partir. Je boirai quand je le sens parce que sinon. Je vais exploser. Kodunkan marche vers le nord pour conquérir Toyotama. Il a laissé ici quelques gardes. Mais ils seront impuissants face à deux samouraïs. J'ai des alliés avec moi. Nous pouvons reprendre le château. Le peuple chantera notre belle victoire. Nous allons éliminer les envahisseurs dans la cour nord. Seigneur Sakai, ils viendront jusqu'à nous. Comptez sur moi. Montez! Au camp de Kama! Dame Masako, vous êtes vivant. Grâce à votre neveu. Il était convaincu de pouvoir vous sauver. Je n'y croyais pas, mais je suis heureux qu'il m'ait prouvé le contraire. Ça ne sera pas la dernière fois, Sensei. Je me réjouis de vous voir tous. Nous avons perdu trop d'amis. Et de proches. Le seigneur Adachi est mort avec honneur, Dame Masako. Nous allons le venger. Lui et tous les guerriers tombés au combat de Tsushima. Il en vient d'autres. Nous les affronterons, ensemble. Pour les guerriers tombés de dédicace au combat de Pogger Mario dans les années 2000 et à ses combats géniaux et tout ça. On finit facilement entre 2 et 10 secondes, objectivement.
tellement ils sont simples. Franchement, il y a pas plus simple. Tu vas manger? Bon, bah, bonne après-midi. Vas-y, mais. On dirait qu'il... Ah mais c'est mon pote, c'est normal. Je me disais c'est trop bizarre, on dirait qu'il a une aura qui m'évite. Tu runs en 5 minutes. Ok, bon, bah, je vais être... Bravo. À toutes. Vous êtes tous bien battus. On a réussi. Le château est nôtre. Vous nous avez tous menés à la victoire. Avec ton aide, Jin. Ensemble, nous briserons le moral des Mongols. Et mettront Khotun Khan à genoux. Nous gagnerons cette guerre en samouraï. Trop stylé. Elle demeure majestueuse. Pourquoi ne pas m'y accueillir? Parce que t'es un connard. Vos hommes sont exsangues et affamés. Ils ont froid. Ouvrez la porte et sauvez-les. Jusqu'au bout, hein. Non. Putain, Ryuzo, pas le con. Ouvrez les portes. Ouf, le mec en a rien à foutre. Comment on peut être aussi insensible? Ça pour le pouvoir. C'est beau. Qu'est-ce qu'elle a eu là? Ton oncle te demande. On dit que le Khan a pris son château. Je n'aurais pas dû faire confiance à Ryuzo. Il nous a tous trompés. Je ne pensais pas que tu resterais. Moi non plus. Allons voir mon oncle.
pour parler de ta récompense. Le seigneur Shimura est dans le donjon principal. Si beau. Ma PS4, elle est, mais elle souffre, sa race. Elle souffre aussi. Tu comptes toujours quitter Tsushima ? Je n'ai plus rien à faire ici. Ton aide me serait précieuse pour affronter les Mongols. Tu as retrouvé ton oncle, Jin. Tu n'as plus besoin de moi. On n'a jamais trop d'alliés de confiance. Ah, trop bien, c'est un nouveau hub. Par contre, tu me suis à la trace, un peu chiant. Je vais lui rendre son éclat d'origine. Oui, elle veut son blé, quoi. Je me suis comme un chien qui veut son nonos. Dans un premier temps, je vais looter. Après, on verra. Installé. Bah ça, je l'installerai plus tard. Sa nouvelle mage qui rajoute un niveau de difficulté plus fort et un niveau de difficulté moins fort. J'espère que j'ai ce dont vous avez besoin. Ben ouais, mais moi ce que je veux c'est capacité de flèche, ça, c'est ça que je veux. Rien que pour vous. Carillon. C'est tout ce que je peux vous offrir pour l'instant. Non, pour l'instant... Merci. À très bientôt. Bonne chance avec ton oncle. Attends, mais tu me suivais depuis tout à l'heure pour me dire bonne chance et ne pas me suivre. Sérieux. Jin. Je voulais te voir. Nous allons vaincre le Khan et ce lâche de Ryuzo. Leurs têtes orneront les murs de mon château. Mais j'ai besoin de ton aide pour cela. Vous l'aurez. J'ai eu vent de tes exploits pendant mon emprisonnement. Tes méthodes étaient brutales. Impulsives. Sans honneur. J'ai fait ce qu'il fallait. Pour vous. Je sais. Je t'en serai toujours reconnaissant. Mais tu ne peux pas suivre cette voie. Nous devons donner à Tsushima un exemple à suivre.
Ensemble, nous sauverons cette île. Comme des samouraïs. Et pour Yuna, elle m'a sauvé la vie et aidé à vous libérer. Tout ce qu'elle demande, c'est le droit de changer d'île. Elle l'aura dès que les eaux seront plus sûres. À condition qu'elle m'aide à reprendre mon château. Merci, mon oncle. Nous partons dans l'heure. Bien, Seigneur Shimura. Je devrais aller voir les autres. Mais j'ai pas envie de partir maintenant, en fait. Moi j'ai... Avec l'objectif en cours, mais il me reste encore plein de trucs. C'est super chiant. Ils sont où les alliés ? C'est quoi ce jeu, ça ? Il était où ? Alors, que t'a dit ton oncle ? Le seigneur Shimura te permettra de quitter l'île, après que tu nous auras aidé à reprendre son château. Ce n'est pas mon combat, Jin. Yuna, c'est notre combat à tous. Montre ce que tu vaux au seigneur Shimura, et il te récompensera. Je te le promets. Seigneur Sakai, nous partons. Ces samouraïs. Quoi qu'on fasse, ça ne leur suffit jamais. Partons pour Toyotama, seigneur Sakai. Le pont est détruit, mais les Mongols ne connaissent pas la vieille route forestière. Par ici. Mon oncle, pardonnez-moi de n'avoir pas pu vous libérer plus tôt. Je n'ai rien à te pardonner, Jin. J'ai vu ce que les Mongols infligent à notre peuple. Je n'ose imaginer ce que vous avez subi. Il faudrait bien plus qu'un chef de guerre boursouflé pour me briser. Il a appris notre langue et vous a gardé en vie. Que cherche-t-il ? Il voulait que je lui prête main forte pour conquérir le reste du pays. Il m'a offert fortune, pouvoir et épouse. Il a cru que vous trahiriez votre peuple ? Rien que pour cette insulte, je le tuerai. Parle-moi de la femme qui t'a sauvé la vie. Yuna est courageuse, loyale, et elle sait se battre. Ishikawa dit que c'est une voleuse. Elle se laisse parfois emporter, mais son cœur est bon. Prends garde à qui tu accordes ta confiance. Ryuzo aussi était ton ami. De rudes batailles nous attendent. J'ai besoin d'alliés sur lesquels je peux compter. Vous avez tout mon soutien. Et celui de Yuna. Autrefois, le chaos régnait sur notre île. Ce sont les samouraïs qui ont rétabli l'ordre et unifié Tsushima. Nous devons montrer au peuple que les samouraïs se battent toujours pour cette terre. À présent, tu dois rentrer chez toi et prendre possession de l'armure du clan Sakai.
Personne ne l'a revêtue depuis la mort de mon père. Tu n'as rien à craindre du passé. C'est beau ici. Sens cette odeur. Quelqu'un brûle du bois et des corps. Monstre. Ils ont déjà attaqué des fermes au sud, mais jamais de la sorte. C'est la réponse du Khan à mon évasion. Il est impératif de sauver les fermes de l'île. Sans elles, nous ne passerons pas l'hiver. Comptez sur moi. Patrouille mongole devant! Écrasons-les! Les loups du Khan, envoyés au nord pour décimer les nôtres. Me dis pas qu'il remonte. Alors, j'ai dû le rejoindre pour qu'il reparte à ma position initiale. Bravo. Les Mongols se sont emparés du phare. Putain, nous rallumerons la flamme pour montrer au Khan que nous arrivons. Le peuple Par ici. Oh, c'est bon, j'arrive. Il y avait du lin. Nous devons nous rendre à chaque phare et rallumer leur feu. Mourez, misérable ! Voilà donc, par les portes ! Bonjour.
Méritait pire. Ils veulent nous piéger. On va déjà passer. Comment ça se rechange? Yuna, que fait-elle ici? Un groupe de guerriers me suit. Ils ont des explosifs. On pourrait s'en servir contre eux. Prépare ton arc. Ils meurent tous! Mets-les tous! Tu es décidé à te battre à nos côtés? Il faut que je quitte cette île. Et Taka aussi. Nous n'en avons pas encore fini. Allons au phare. Nous rallumerons la flamme. Pour montrer aux Mongols que notre victoire à Kaneda n'est qu'un début. Et prévenir le Khan que nous arrivons. Je suis content que tu sois venu, Yuna. Tu as réussi à faire diversion. À votre service, mes seigneurs. Il nous faudrait plus de combattants tels que toi dans nos rangs. Vous risquez d'avoir du mal à en trouver. À moins d'élargir vos horizons. Nous avons affaire dans le phare. Exprime-toi et laisse-nous tranquilles. Yarikawa est riche en guerriers, si ses murs ne sont pas tombés. J'ai réprimé la révolte de Yarikawa. Ces gens ne m'apprécient pas. Je sais. J'ai grandi là-bas. Est-ce là que tu as appris à voler? Yuna vous admire grandement, Seigneur Shimura. Elle peut convaincre les siens de se battre pour vous. Très bien. Aide le seigneur Sakai à lever cette armée. Et tu pourras quitter cette île par le premier bateau. Avec mon frère. Attends-moi dans le vieux Yarikawa. Merci, Jin. Quand même la devancer. Il reste encore 34 minutes et je dois partir. Ok, tu vas aller te coucher. Il est temps de faire passer le message. Écoute, en tout cas, merci d'être là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
allumer la flamme. J'espère que le Khan le verra. N'aie crainte. Nous reprendrons votre château, mon oncle. Et nous détruirons les Mongols. À la façon des samouraïs. Rentre chez toi et prends l'armure de ton père. Recrute les paysans de Yarikawa. J'irai négocier des renforts auprès du shogun. Comment contacterez-vous la grande île ? J'ai moi aussi de mauvaises fréquentations. Dans la crique d'Umugi, un pirate du nom de Goro m'est redevable. S'il est encore en vie, je le trouverai. Amène-le à notre ancien camp de chasse. Nous nous reverrons bientôt. D'ici là, sois très prudent. Je ne veux pas te perdre encore. Tu restes combien de temps dans ta maison de... campagne encore, au niveau. Monseigneur, nous avons délivré un prisonnier des Mongols. Un moine guerrier. Il souhaiterait vous parler. Un moine guerrier ? J'irai le voir. Mais quand est-ce que ça se finit, cette mission ? Parlez au moine guerrier. Seigneur Sakai, vous et vos compagnons avez toute ma gratitude. Quel temple sers-tu ? Le temple Sugi. Nous sommes partis combattre les Mongols au sud quand nous avons eu vent de la bataille de Komoda. Mais notre voyage a pris fin ici. Je suis désolé. Qu'est-il arrivé ? Nous avons été attaqués, puis faits prisonniers. On nous a jetés dans une fosse couverte, sans nourriture. Il faisait si sombre que je ne distinguais pas mes propres mains. Ils ont sorti Jogon en premier. Nous l'avons entendu se débattre, crier. Puis les cris sont devenus des hurlements. Une odeur, ensuite, de brûlé. Mais nous avons tenu bon. Nous n'étions plus que trois quand ils ont emmené mon frère. Enjo. Enjo. Le gardien ? Désolé d'apprendre sa mort. C'était un grand guerrier. Et un frère encore meilleur. Comment t'appelles-tu ? Norio, monseigneur. Comme c'était l'anniversaire de ma tata, je pars dans le sud-ouest vendredi pendant une semaine apparemment. Après on va à Toulouse pour voir le studio de ma cousine. C'est agent. Stylé, vous faites c'est là qu'il nous enfermait. Six hommes tiendraient à peine dans ce trou. Et pourtant, nous étions le double. Marchons un peu, Norio. J'ai quelque chose à te montrer. Tu es passé par Toyotama. Comment était-ce ? Le temple de Kushi et les guérisseurs d'Akashima ont été épargnés. Mmh. Il paraît que le repère de pirates de la crique d'Umugi résiste. Arrêtons-nous. Les envahisseurs doivent être des milliers. Maintenant que le seigneur Shimura est libre, il va nous mener à la victoire. Tu te joindras à nous, j'espère. Vous pourrez compter sur les moines du temple Sugi. Ils sont à une journée de cheval. Aidez-les, et ensemble nous renverrons les Mongols à la mer. Nous vengerons ton frère, Norio. Tous les moines qui ont péri ici. Je ne souhaite pas me venger, mais je vais me battre pour la paix. Je vois pas trop où c'est Agen. Je connais, hein, mais... de nom. Très vaguement, c'est où ?
J'irai au village d'Akashima pour aider les guérisseurs. Pour riposter, nous aurons besoin d'eux. Je peux vous présenter Ochi. Mon frère disait qu'il était le meilleur des guérisseurs. Dans ce cas, nous nous reverrons à Akashima. Enfin, je peux faire autre chose. C'était long. Alors. Globalement, c'est à peu près à côté de Bordeaux. Ok. Et c'est cool là-bas. C'est paumé dans la campagne, puis il est dur. Putain. Pur et dur. Choisir, c'est tellement important que donc voilà sur du vent. Ok, donc maintenant moi ce que je veux, bah déjà il y a un lieu ici là juste devant. Bien. J'aurais même pu faire un one shot. Bah, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Kotun Khan riposte en envoyant les soldats mongols à l'assaut des fermes d'Izura. Livrez les fermes pour sauver votre peuple. Chercher les faveurs. Neige. Portée dans le nord, portée du froid. Ok. Propre. Mais j'ai pas utilisé tout de suite. Preuve de gratitude. Amélioration disponible. On va aller voir l'armurière. Certains
toute façon, j'ai déjà amélioré celle que je préfère. Monseigneur, l'esprit vengeur de Yarikawa est revenu. Il a fait des victimes dans les vieilles ruines. Je n'ai jamais entendu parler de cet esprit. Vous ne pensez pas que ça pourrait être l'œuvre des Mongols ? Vous ne connaissez pas l'ultime malédiction du seigneur Yarikawa ? Yamato, le musicien, raconte cette légende mieux que personne. Il est dans le vieux Yarikawa. J'irai le trouver, afin de tirer cette affaire au clair. Mon armure émoussera les armes mongoles. Au revoir. Je le ferai en dernier lieu. Pour l'instant, on va avancer un peu. Coucou Lucarne. Bienvenue à toi, comment ça va? Tu joues à Ghost. Putain, je me suis pas tapé au bon endroit, évidemment. L'enfer. Vous avez l'air troublé. Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que tout va bien ? La peur est omniprésente, monseigneur. Par bonheur, il reste des endroits dont la beauté nous rappelle ce qui compte vraiment. Les oiseaux le savent, eux. En les suivant, j'ai découvert un lieu qui m'a apaisé l'esprit. Avant, je composais des haïkus dans de tels endroits. J'y étais à mon aise pour aligner mon corps et mon esprit avant un combat. J'espère que vous retrouverez bientôt la paix, seigneur Sakai. Ouais, tu racontes quoi, Lucarne, alors ? Approchez, monseigneur. L'histoire d'Uchitsune vous attend. T'écoute, mon gars. Il y a fort longtemps, un démon ailé s'acharnait sur un empereur et son palais. L'empereur envoya chercher Uchitsune, le plus grand archer de son temps, qui maniait un arc béni par un kami. Quand le démon revint, Uchitsune était prêt. Armé de son arc long, il visait plus juste et tirait plus loin que tous les autres archers du Japon. Uchitsune tira une flèche unique qui transperça le cœur du démon. Ce dernier tomba au sol et dans un dernier souffle, maudit l'archer. Peu de temps après, Uchitsune commença à voir la silhouette du démon partout. Son arc légendaire ne ratait jamais sa cible, mais en mourant, celle-ci libérait un cri humain. La piste des cadavres mena à l'archer qui fut capturé. Bien qu'ils fussent nombreux à demander sa mort, l'empereur eut pitié d'Uchitsune. Il fut banni sur l'île de Tsushima, où il mourut bien des années plus tard, seul
et oublié de tous ou presque. L'arc qui servit à tuer le démon y est resté caché depuis. Certains disent qu'il attend un maître digne de lui, d'autres pensent qu'il renferme toujours la malédiction du démon. Vous connaissez le carnet Midiro ? Lucarne, est-ce que t'es toujours là d'ailleurs ? Maudit ou non, cet arc semble puissant. Soyez prudent, monseigneur. L'arc éveille les ténèbres en quiconque le convoite. Je m'en souviendrai. Encore faudrait-il que je sache par où commencer. Pour trouver la paix de l'esprit, Uchitsune se promenait souvent sur la côte, totalement fasciné par les hortensias bleus qui s'y trouvent. Qui sait, c'est peut-être une piste. Est-ce que tu le connais ? Stylé. Tu le connais d'où ? Non, c'est un point de recherche, je vais galérer. Ah bah non, ils sont là. C'est les fleurs bleues. Ils sont là, les fleurs bleues. MP Twitch. Tu m'as envoyé un MP sur Twitch. Ou tu le connais via un MP sur Twitch. Comme m'a dit le musicien, je ne dois plus être loin. Oh, stylé. Étrange. La tombe est fissurée. Nous, on se connaît de MP Twitch. Ah bah oui, bah faut préciser. C'est bizarre, juste MP Twitch. La sépulture d'Uchitsune. C'est une fille, ok. Une île entourée de fleurs bleues. Je crois qu'elle est plus là. T'as. L'arc d'Uchitsune s'y trouve peut-être. C'est beau ça. Ah. Oh. Je suis arrivé là. Wow. Cessez de chercher l'arc maudit. C'est la mort que vous trouverez. C'est la mort. C'est toi qui vas trouver la mort. Il portait le masque d'un Tengu. Son tir était un avertissement. Je dois rester sur mes gardes. C'est bon. Bon.
c'est stylé ça. Avec un cerf. Genre, cerf épicé. Je vais essayer de voir s'il peut pas faire meilleur. Clair. Comme ça, il y en a trop. Comment ça se fait que je puisse l'approcher autant? Trop stylé. J'essaie de refaire un truc plutôt cool. De l'autre côté, ça donne quoi? Ah, il fait la gueule, Jean. Ça se fait que je puisse m'approcher si près de lui. C'est ouf. C'est trop cool, je trouve. Il y a un bug. Mais du coup, c'est une envie de faire plein de photos. Moi et mon sauce, bon vas-y, je peux passer la soirée. Y'a pas moyen de moyenner? Putain, faut que j'aille jusque là-bas. C'est chaud hein. Pourra bientôt se reposer. Envoyez votre meilleur guerrier. Tire !
Qui veut m'affronter en premier ? Merde. Il fait mort à sa vulgaire. Encore des hommes. C'était un gentil. Et je l'étais, je l'ai niqué. Heureux, Elias. Je crois que c'était un gentil et en fait. Ça, t'as bien mangé. Pourquoi y'a pas de vent là? Je viens de faire une séance photo, Elias, quand t'arrives avec un cerf. Genre, j'étais juste à côté de lui, il avait pas peur de moi. T'es ouf. J'ai fait là les photos avec lui. Sur ce, moi je vais dormir. Bisous, bisous. Ok, Mediro. Bah écoute, merci d'être passé. Bisous et puis. Puis bonne nuit. Hein. Alors, comment faire? T'as toujours Elias, toi? De me balancer avec le grappin, genre. Mais bon, y'a rien. Je peux pas. Comment je fais? C'est pas possible en fait, faut que j'aille par là. Je pense. Faut que je passe par de multiples. Bah non, en fait. Là, faut que je monte par là, donc ça va pas être possible. Oh, mais comment je fais? Attends, je vais sauvegarder. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai eu peur. Quel bug. J'ai eu un coup de vertige. Ouais, logique. Ah, il y a un truc là. Ah putain. Okay. Ça a rien de se suicider, mon gars. La vie est belle. Uncharted like. Là, s'ils nous font descendre avec le grappin, c'est totalement Uncharted et Tomb Raider. Quand même pas.
crois qu'on peut remonter par là. Ah, d'ailleurs, je crois qu'il faut aller par là tout. Sympa cette petite phase. Dessous. Pourquoi tu râles, Jean? Putain, faut pas avoir peur. En vrai, ça doit être horrible. Toujours très très à l'aise d'ailleurs dans ces jeux. Qui a bien pu foutre tout ça ici, quoi, tu te demandes. Trop beau. Genre après on peut remonter. C'est-à-dire qu'en fait on aurait pu descendre par là. Je rêve. Et c'est pas ça l'île d'Yoshi? C'est ça le truc là-bas? Bah j'ai dû... Merde, c'était pas ça. Putain. Bon. Accéder au sanctuaire. C'est-à-dire? Qu'est-ce qui se passe? Ah merde! Ah merde! Ah putain! Et là, faut que je cherche l'île d'Yoshi.
Bien. Je n'en serais pas là sans toi. C'est là-bas, vous pensez? Ça doit être là-bas. Comment je redescends? Il faut que je refasse tout ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai pas du tout envie. Comment je fais pour redescendre là? Attends, je peux pas me TP direct là-bas? Ah si, je peux. Je vais me TP là. Ah non. Mais non. Oh là 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 là. Si ça se trouve, c'est même pas les îles là-bas. Hein. Et dans tout ça, ça se trouve, c'est une île ici, là, genre. Ah, il va falloir que je cherche, hein. C'est chiant de devoir tout refaire. C'est bon, c'est bon. C'est par hasard. Bon, au moins j'ai plus de que tout à l'heure. Commence au début, j'arrête. Enfin, je vais plus là. Je suis où? Ah, je suis au même endroit. Donc maintenant, comment je fais pour descendre? Mais je peux toujours pas. C'est quoi ce truc? Si je vais là-bas, je pourrais pas sauter non plus. Ah, je dois faire fausse route. Et là, c'était quoi ce jeu là? Putain, on monte plus.
plus vite qu'on descend. Ouais, ça veut dire que je peux faire ça. Mais non. Ok, bon. On saura au moins. Ça m'a saoulé. Chercher l'île à Iyoshi. Bon. Bien. Encore des fleurs bleues. Ah. Super. Je me casse la tête depuis tout à l'heure, du coup. Bravo. Bravo, bravo. Ah, maintenant le vent il remonte, évidemment. Une montagne entourée de fleurs bleues. L'arc d'Uchitsune s'y trouve peut-être. Si vous poursuivez votre quête, Tsushima tombera. Assez. Parlez simplement. Ceci est votre dernière chance. Ne cherchez pas cet arc. Il fait de la fuite. Fleurs bleues, je suis sur la bonne voie. J'étais sûr que t'étais là, je voulais juste mettre un repère, mais bon. Si tu mets un repère, tu quittes la mission. Peut-être comme ça que j'aurais dû faire tout à l'heure. J'aurais dû mettre un repère. Bon, après on a avancé, c'est bien, tu vois. Mais bon. Je me sentais pas prêt. Allons-y, Nobu. L'arc doit être là. Disais donc que ça sert à quelque chose. Wow. L'arc long d'Uchitsune.
Peut-être une mission à la Far Cry, genre. Genre t'es shooté. Où suis-je? L'arc est maudit. Vous ne connaîtrez que la mort jusqu'à votre dernier souffle. Stylé son masque. Et de chasser les Mongols de nos terres. Je m'inquiéterai des malédictions plus tard. Vous verrez. Le temps entra vos pas. Stylé. Ah mais du coup je peux l'améliorer déjà. Trop bavards les habitants. Soyez fort, monseigneur. Des chapeaux de paille se sont mis à attaquer des voyageurs à Kubara. Encore ces traîtres aux ordres de Ryuzo. Ils versent le sang d'innocents et collaborent avec les Mongols. J'ai de la famille près de l'auberge sur la côte d'Akashima. J'espère qu'ils sont sains et saufs. Je trouverai l'auberge et je m'occuperai de cette vermine. Où la factice d'arc. Tu sais qu'il ne meurt pas de faim. Permettez-moi d'améliorer votre armure. Nous traversons des jours sombres, monseigneur. Je ne saurais trop vous conseiller de demander l'aide des Kami. Leur sanctuaire se trouve derrière les Tori. Je me demande parfois s'ils entendent nos prières. Ils ne cessent jamais d'écouter et de veiller. Si vous y mettez suffisamment d'ardeur, ils répondront. Merci. Je poursuivrai mes efforts. Permettez-moi de bien aiguiser votre lettre. Où est-ce qu'elle est ? Ah, elle est là. Le menuisier qui a bâti la forteresse de guerre. Votre arc doit-il être remis en état ? Une portée et une précision sans faille. La mort à distance. À une prochaine fois. Si
C'est un honneur d'avoir eu votre... Bon, je vais arrêter là. Elias, t'es toujours là. Je vais save ici. Je commence à avoir bien chaud. Ah, t'es là? Ok. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée. Bonne fin de soirée. Je te remercie d'avoir été là. Et je te dis à demain. Je sais pas si cette semaine je vais essayer de streamer l'après-midi, mais il fait tellement chaud. Le pire c'est vendredi, il fait 40 degrés. Demain ça va encore, je pense, je vais pouvoir streamer. Mais jeudi et vendredi, là, 32 et 40. Bon, on verra. Vendredi, à mon avis, c'est sûr que je vais pas pouvoir. Mais bon. Écoute, merci. Merci d'avoir été là. Et puis je te dis bonne soirée. Et aux autres aussi d'ailleurs. Tchou.